afro-caribéen en présence de Debaze, notre cher Debaze qui a fait le tour de la Guadeloupe, de l'archipel. Et de la Martinique. De la Martinique, bien sûr. Il n'y a pas eu Sainte-Lucie, Saint-Martin? Il y a eu Marie-Galante. 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 Alors, des souvenirs plein la tête. Ah, ma vie. Et tu as bien vendu, tu as défilé. Voilà, la défilé. La marque, elle est imposée là-bas, elle s'installe. Exact. Mais il y a aussi une boutique en Guadeloupe. Tout à fait, sans mêler. Sans mêler, qui est à Pointe-à-Pitre, qui est au 7 rue Victor Hugo. Bien. Toujours de belles créations, toujours de nouveaux modèles. Et puis Cathy, celle qui va vous recevoir, elle est top. Elle est top. Elle est top. C'est une relation, une amitié qui dure depuis combien de temps? Oh, depuis Cathy, on s'est connus en 2006. Non, je dis des bêtises. Ma fille était née, donc 2009-2010. Le 15 décembre, les 7 ans de la boutique en elle-même. Donc voilà. Donc ça veut dire que Debaze, tu repars? Je repars le 4 décembre. Wow. En Martinique et en Guadeloupe. Ça va être un show encore beaucoup plus gigantesque que celui d'été? Peut-être pas, parce qu'on là on va peut-être faire un petit peu moins fort, mais en cet été on fera quelque chose encore grandiose. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Alors là pour l'hiver, j'ai proposé de nouveaux modèles plus type bonnet, béret on va dire. Donc c'est ces petits modèles là. Alors la particularité c'est que vous allez me dire ouais vous pouvez trouver des bérets partout. Sauf que quand on a des locks, mettre un béret, je vais vous dire, vous allez vous accrocher. Alors en fait, c'est qu'il y a un scratch en fait. Donc voilà, comme d'habitude, il y a toujours le scratch. Ce qui fait que quand on a beaucoup de locks, eh ben ça passe aussi. Donc ça, c'est mes nouveaux modèles. Vous avez avec la visière, mais celui-ci, vous le connaissiez déjà, je pense. Ça a j'ai été juste porté fait. Dans le défilé avec un mannequin. Voilà, exactement. Il y avait un garçon qui le... un homme. Gavroche. Exactement. Il y a différentes couleurs. Là, j'ai mélangé le jean, j'ai mélangé le madras. Le madras de chez nous, donc le mouchoir et puis le madras industriel. Et puis voilà, après je joue toujours sur les matières avec le velours, le madras aussi et puis le wax. Voilà, ça c'est une pièce unique, belle pièce unique. Et surtout pour cet hiver aussi, donc les snoods avec une matière douce. Donc là on a du velours. Là on a pour les fêtes quelque chose de plus waïaïaï comme j'aime dire. Et enfin, vous avez une partie un petit peu, voilà. Il y a toujours deux parties, soit c'est du wax, je mélange les matières, j'adore ça. Alors c'est réversible? Oui, réversible, tout à fait. Tu l'empiles comme ça. Ah, ouais. Soit tu peux garder tes mains voilà, à l'intérieur quand il fait froid, moi je fais souvent ça. Ou simplement, tu tournes. Ouais, attention le maquillage. Eh ben la dame se maquille avec du waterproof, je sais pas quoi. Donc voilà, non mais ça va, je suis maquillée, mais ça passe. Waouh, c'est génial. Voilà. Bon, quand il pleut, moi c'est ce que je fais, je le porte comme ça, voilà. Et quand il pleut, je le remonte comme une capuche tout simplement. C'est génial. Puisqu'il est assez large en fait. Il est large pour pouvoir l'utiliser comme ça. Il est magnifique. Et puis je fais assorti souvent avec le chapeau. Très bien. Alors, voilà. De base, il y a les écharpes, il y a ben, les bérets, les bonnets. Bérets. Mais où sont les gants de base? Ça peut être génial. J'en ai fait, mais il y a des années, j'en ai fait, parce qu'on m'a fait une commande, parce que j'avais fait une capuche en fait, vraiment masculine, et le garçon m'avait demandé, et les mitaines qui va avec. Mitaines, d'accord. Et gants. Tu fais les gants aussi? C'était des mitaines. Ah, bah alors tu peux faire les gants. Oh, les gants quand les même. Gants, on élargit la collection. Merci pour l'idée, on va voir. Alors où est-ce qu'on peut les commander? Parce que c'est l'hiver, il va faire très froid. Où est-ce qu'on peut... Alors, soit sur le site, tu peux les récupérer sur le site donc Debaze Paris ou debazeturban.com. Donc pour les deux sites, tu vas trouver ça. Tu peux aussi aller à la boutique Pop Shop, le Pop Shop qui se trouve à la rue Championnet. Donc métro Guimauquet, et puis tout simplement m'appelant sur mon numéro de téléphone, alors on vous le donnera. D'accord, très bien. Alors nous derrière la caméra, nous sommes jalouses de ce t-shirt de Debaze, on aimerait bien l'avoir, c'est un t-shirt coton. Wow. Je suis quoi, je suis inoubliable.
Voilà. De base, je suis inoubliable. Wow. Irrésistible, inaccessible. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est du coton. Il y aura la version laine un peu Pour le ensuite, ouais, peut-être. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'y ai pensé, je ne l'ai pas encore fait. Mais effectivement, ça va venir. Que des ensuite, idées, que des idées. Voilà, des idées, il ne faut pas rester figé, en fait.